Le salon, c'est facile, c'est une journée autour de quatre pôles. Un pôle dédié au recrutement, un pôle dédié à la création d'entreprise et un pôle dédié à la formation et puis à l'accompagnement individuel au coaching. Donc Nadège Tonton, je suis une jeune entrepreneuse donc, qui vient de Picardie et donc je suis venue découvrir en fait le monde professionnel sur Bordeaux, avoir des clés de la reconversion professionnelle. Enfin, c'est très intéressant, il y a plein d'axes, celui de la franchise, la reconversion, la possibilité de trouver des entreprises, d'accéder à des conférences, à des workshops. Donc je le recommande vivement. Je m'appelle Aude de Thuin, je suis un serial entrepreneur, ou autrement dit, un entrepreneur récidiviste. Je suis venue ici parce que je m'occupe beaucoup de femmes, j'ai créé le Women's Forum, et je suis très... j'aime être face à des femmes pour leur dire qu'elles doivent oser plus, qu'elles doivent entreprendre, et voilà, et lorsque Marie-Laure me sollicite à la mairie de Bordeaux, je n'arrive pas à lui résister, et je suis ravie de venir ici. Avec le sentiment que lorsque je parle à ces femmes, je leur apporte quelque chose et donc et elles aussi m'apportent. Je m'appelle Sandra Borde, j'ai 43 ans et donc moi je suis en reconversion professionnelle, donc je change de domaine d'activité. Donc non, je suis très intéressée. Là, j'ai assisté à deux workshops ce matin sur le business plan et puis sur l'auto-entrepreneur. Moi, j'ai trouvé très clair. J'ai trouvé que ça répondait en fait à nos besoins. Bonjour, je suis Delphine Chauffler, responsable RH de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Je suis ravie de cette journée, en fait, de ce début de journée, parce qu'il y a énormément de visiteuses, beaucoup de monde et beaucoup de rencontres très riches. C'est vraiment un événement qui est très fréquenté et qui me semble devenu incontournable pour les femmes à Bordeaux. J'ai 42 ans, je suis à mon compte comme directeur administratif et financier externe et je suis ravie d'y avoir trouvé beaucoup d'énergie, beaucoup de réponses à des questions sur le réseautage, des associations qui existent que je ne connaissais pas. Les conférences ce matin ont été super instructives et vraiment très riches. On est LP Conseil, on est trois consultants, coachs, formateurs et je trouve ça super chouette. J'aime bien l'ambiance, hyper convivial. Voilà, et on a beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qu'on connaît, qu'on revoit. Donc voilà, ça permet d'entretenir le réseau et de faire du réseau pour nous qui sommes exposants. Et au-delà de ça, c'est super agréable. Thank you.